Hey! Surprise, on va rider! Ça faisait un moment que je t'avais pas parlé, mais. Ouais, non, c'est pas le Covid, hein, c'est juste que j'ai attrapé froid. J'ai vu avec mon kiné et ma jambe, ça va quand même beaucoup mieux. Je suis sur la fin et j'ai le droit d'aller faire du body. Alors, peut-être que c'est pas du tout excitant pour toi, mais moi, j'ai compté, ça fait quasiment 7 mois, un peu plus de 7 mois que je suis pas allé à l'eau une fois. Donc, même aller faire du body, genre, je suis hyper content. Donc du coup, c'est parti. On va prendre mon body, mes palmes, la planche de Nao. Et puis on va aller faire tout ça. Et puis quelques combis aussi, parce que l'eau, elle est pas encore chaude. On a besoin de ça. Bob. Il fait le plan. Oups, désolé, je t'ai fait tes plans. Bah, tu prendras ta planche comme ça, si je l'abîme, c'est pas de ma faute. J'ai besoin de mes palmes. Ah, un changing mat aussi. Une paire de palmes. Je crois qu'on est bon, on a rien oublié. Ah si, il faut prendre les batteries, les cartes mémoire pour la GoPro. Le truc de la GoPro. One eternity later. Ouais, c'est là. C'est l'heure de faire les plans jolis du chien. T'as un copier, oui. Oh, t'es beau. T'as un copier, oui. Mon petit chat. Mais du coup, vous avez pas eu le temps de préparation de sœur? Je les donnerai. Carte mémoire. Et puis un peu de wax, on va vérifier ce qu'on a. Ben ça c'est pas bon, parce que l'eau n'est pas encore à 14. on a dit l'eau elle est encore froide, elle est à 11 ils ont dit. 14 non. 13 non. Ça, c'est de la votre froide, ça. Cold, en dessous 15, parfait. J'adore tellement sentir la wax, ça sent trop bon. Et voilà, il reste plus que ta planche à prendre, avec ta housse, et ton leash. Rendez-vous au resto à quelle heure? 14h, on a réservé. 14h? Et il est 40. On est largement 30. Dans les temps. Ouais, ça va. Ah, on verra, hein, écoute. On a faim. On a faim. On a faim. J'espère que ce format de vidéo va vous plaire. Enfin, genre, je sais que c'est une nouveauté sur la chaîne, mais c'est ce qui risque d'arriver dans le futur, étant donné que je vais pas me contenter de faire du matos, parce que le but c'est quand même de l'utiliser. Et c'était juste une façon de passer, de m'occuper pendant que j'étais blessé et que je pouvais rien faire. Donc voilà. Bon allez, on sort de table, on a bien mangé. Ah, c'est clair. Ça va surtout couler et puis on va aller trouver un petit spot tranquille. Bon, on a trouvé notre petit spot pour aujourd'hui. Il y a un petit peu de marche, mais on risque d'être tranquille, on a vu un mec à l'eau. Alors qu'ils annoncent 3 étoiles en condition, donc... Ça va être cool. Ça va être cool. Allez, on va se changer puis on repart avec les planches. Et juste un peu de marche quoi, c'est... Un petit peu, oui, c'est ça, ouais. Un petit 10 minutes, un quart d'heure, hein, voilà. 20 minutes, moi, je dirais. Non. Je suis un tyran, en fait. Je viens de vous faire 4 minutes de vidéo, mais en fait, il n'y a rien à filmer, on n'a rien filmé. Genre, on n'a rien ridé. On s'est changé comme prévu, on est retourné faire nos petits quart d'heure ou 20 minutes, notre petit spot. J'irai pas où, c'est pas la peine de demander. Quand on a été checké, genre les vagues elles étaient bon, genre belles, il y avait des bossettes qui déroulaient, ça rentrait bien. Il y avait un vent qui commençait à se mettre genre bien sud, un peu vénère.
Mais bon, ça avait pas l'air de foutre en l'air trop le plan d'eau. Et c'était un énorme couef. Plus de 100 de mémoire. Et en fait, entre le moment où on a checké et le moment où on est réellement allé à l'eau, bah déjà le plan d'eau il était plus dans le même état. Genre, le vent avait un petit peu plus tourné, c'était chantier. Et la mer était devenue trop haute. Donc le spot marchait vraiment plus du tout comme ce qu'on avait vu en fait. Et puis le problème c'est que j'avais oublié ma... Enfin j'avais pris ma GoPro, j'avais oublié son petit flotteur pour que si je la perds au moins qu'elle flotte un peu, essayer d'avoir une chance de la retrouver. Donc elle était juste comme ça sur son support. Mais je l'avais mis trop comme ça en fait. Et du coup genre ça filmait pas devant moi, on voyait juste ma planche. C'était de la merde. Donc y a rien à voir, genre pas de session. Voilà. Première session. Génial. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Bref. Et donc voilà. Et donc là, je te mets des vraies images d'une session qu'on a fait à un autre spot. Et non, je dirais pas les noms. Parce que, genre, je dirais pas les noms. Voilà. C'est pas la peine de demander, les gars. Et si vous reconnaissez les spots, ne donnez pas les noms. Ça se fait pas. Voilà. Cette session, je sais pas pourquoi je ris parce que c'est ridicule, mais genre voilà, c'est moi qui suis content de faire du body et je suis désolé, le petit va être un peu putaclic parce qu'il y aura plus de blabla et de vlog que de rail, mais je préfère être honnête et être franc et pas faire genre la télé-réalité YouTube, genre où je montre que les belles sessions, mes sessions ratées, bah je les montre pas et tout ça, enfin genre il y a des galères, il y a des galères, tu vois, et ça arrive à tout le monde, surtout quand tu fais du surf, parce que le surf c'est vraiment dépendant de la météo, enfin de la marée, du vent, du temps, de la mer, enfin genre, il y a X facteurs qui peuvent te foutre en l'air une session. Abonner pour pas rater les prochaines vidéos, j'ai des trucs cool, je peux le dire parce que c'est déjà abonné, mais j'ai une session cool dans la bécane qui sera pour la prochaine vidéo, voilà, il y a plein d'autres trucs qui arrivent et puis donc voilà, allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, peace out.